Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on commence le début d'épisode rapidement, comme ça, juste pour vous montrer un truc. Ça ne sera pas le but de l'épisode, mais c'est juste pour vous montrer les coordonnées des quelques diamants. Je pense, je dis bien, je pense en avoir assez. Je pense. Donc, j'ai tout pris. Donc, j'étais en séance de minage. Ah oui, non, mais c'est pas bon. Oui, j'étais une séance de minage et j'ai miné. Non, là, franchement, là, c'est juste une faille que je viens de trouver. Mais sinon, je viens de là, ok. Je viens de là, je viens de là. Ok, donc vous voyez les coordonnées en même temps. Je les laisse exprès. Donc, non, c'est pas là, c'est pas là. Ça, c'est un ancien chemin. Pour vous montrer, normalement, je les ai repérés. Je les ai repérés par. Donc, il y en a en face, c'est sûr. Je les ai repérés par ça, ok. Par. De la terre, l'endroit où il y a des. Comme ça, je me rappelle qu'il faut pas que je passe par là. Là, donc il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez les coordonnées. J'ai pas tout pris, bien sûr. De l'XP, je repasserai la prendre après. Bon, vous voyez, je suis à 25 levels déjà. Je suis à 25 levels en minant seulement. Donc ça va vite. Donc c'est pas la peine que je regarde parce que là où il y avait 2. 3, 4 et 5, c'est bien. Donc là où il y avait du diamant, j'ai laissé de la terre. Et là aussi, il y en a 5. Et à un certain moment, il y en a 4 et 8, je crois, c'est sûr. Ok, je suis à 19. Ensuite, je suis venu de là. Ok. Pareil, là, c'est une faille que j'étais voir. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, hop. Donc, il y a là. Là, c'était un filon de 8. C'est un filon de 8, pardon. Donc oui, c'est bon. J'ai de quoi faire. Donc vous aussi. Donc voilà. Vous avez les coordonnées. On est juste à côté de la maison. On n'est pas très loin en plus. Donc voilà. J'ai changé de direction de minage. Ok. Donc là, j'ai vérifié. Et après le minage, voilà. Peut-être que j'irai juste pour avoir un stuff de. Un stuff de secours. C'est juste ça. Je viens de là, hop, et le diamant, je viens de le voir, ok, il est là. Et donc là, c'est un filon de 5 aussi, normalement, de 4, je m'en rappelle plus, bon, peu importe, voilà. Il y a largement ce qu'il faut, il y a 32, on a de quoi faire l'épée, deux épées éventuellement pour les fusionner éventuellement. Et notre stuff, et je suis tombé sur un. Bon. Enfin, je vous le dis comme ça si vous voulez. Parce que j'ai fait du minage d'opti, vous avez vu, tous les deux jeunes, voilà, donc c'est de l'opti. Et à un certain moment, j'ai remarqué qu'il y avait ça. Donc oui, c'est la pierre mousse. Et hop, et là, je suis tombé sur un spawner araignée. Il n'y avait rien de particulier dans le coffre, voilà le contenu, donc ça m'intéresse pas. Et au fait, ça montait au mineshaft, donc j'ai éclairé bien sûr pour éviter. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, je suis 26 levels, je vais prendre quelques levels ici. La prochaine fois, on se verra peut-être dans l'Inde, dans le Nether, pour avoir les 30, pour avoir des bibliothèques de l'Inde. Oui, j'ai linké les deux portails de l'Inde aussi, j'ai linké les deux portails de l'Inde, au fait. J'ai linké les deux portails de l'Inde, oui. Non, le portail de l'un des monstres spawners, je les ai linkés via le Nether. Ouais, je vais y arriver. Donc, je vous donnerai les coordonnées plus tard dans l'épisode pour vous. Donc, en gros, voilà, une petite heure de minage et c'est bon, on a nos diamants. Allez, à tout de suite pour vous. J'arrête de dire tout de suite. Et moi, je continue un peu plus tard. Juste un petit dernier détail avant de finir le minage, le finir. Donc voilà. En tant que chauve-souris, vous avez vu que j'ai 3 cœurs, on peut miner avec un seul carré, un seul bloc. Donc c'est pratique, oui, mais pour chercher du diamant, c'est pas du tout pratique. Vraiment, c'est pas du tout pratique. Donc c'est pas pratique, vraiment. Donc parce que le diamant, vous savez, il faut regarder ça en deux, sur deux, les deux hauteurs, pardon. Et voilà, j'accroche pas trop. Donc honnêtement, j'accroche pas trop. Donc oui, je tourne toujours avec l'F3. Ok, donc vous avez vu, ouais, j'étais pratiquement à 100 FPS. C'est cool. Ok.
Donc voilà, donc on peut miner sur un seul carré, voilà, donc ça donne ça en gros. Donc c'est rien d'extraordinaire. Donc oui, je prends mes trucs direction leader pour je vais vous montrer au moins un enchant au fait. Donc quelques enchants importants on va dire, mais je vais pas tout vous montrer parce que ça sert à rien. Ouais, le glitch, je l'ai vu. Le glitch. Oh bah voilà, donc je cherchais pas les diamants, mais voilà, donc j'en ai trouvé d'autres. Combien? 1, 2, 3, 4 et 4 diamants en plus, voilà, en bonus. Donc vous les avez vus. Et je mine en tant que chauve-souris. Donc voilà, j'ai dit que c'est pas pratique, mais bon. Ça m'a montré que c'est faux. Mais bon, non, c'est vraiment pas pratique, vraiment. Donc ça peut être sympa pour creuser vite, pour s'enfuir éventuellement, mais c'est pas très pratique. Allez, rendez-vous dans les airs. Et moi je prends les mes 30 livres direct comme ça d'ici, comme ça j'arrive, j'enchante direct. Alors, je vous reprends là pour hop, juste faire mes 16 bibliothèques. Mon F3 c'est le portail de l'Inde, côté Inde, pardon. Si elle veut bien. J'ai pris tous les blocs au fait, j'ai pris deux stacks de livres. Je devrais largement avoir de quoi faire une bibliothèque ici et une bibliothèque ailleurs s'il le faut. À un certain moment, ce que je vais faire au fait, à un certain moment, je vous le dis, je vais faire un Ender Chest, un coffre de l'Inde au fait. Et pourquoi? Parce que, hop là et là. Parce que oui non, j'ai mis ma table d'enchant, mais j'ai rien pour enchant. Ok. Parce que je vais mettre tout mon stuff dedans. Donc je me baladerai avec une table d'enchant, c'est mieux qu'une table d'enchant. Un Ender Chest vide, je préfère parce que si je meurs, au moins je mourrai pas avec tout mon stuff sur moi quoi. Donc surtout que je vais pas le porter tout le temps en fait. Donc voilà. Donc ça sert à rien. Bah j'ai eu de quoi faire deux épées au fait. Non mais j'ai laissé une partie du stuff aussi. Donc est-ce que c'est un level 30? Ouais c'est un level 30. Solidité de 3, ça m'intéresse pas. Moi je cherche que du P3 en fait. Et je sais que j'ai un P3 en livre quelque part. Apnée 3, non. Oh non, ne me dis pas que je vais. Bon bref, je vous montre juste un rapidement. Donc affilage 3, non. Bah écoutez, je tente le truc qui coûte le moins cher, c'est-à-dire lui. Non, c'est lui qui coûte le plus cher. Donc qu'est-ce qui va me donner protection contre les explosifs? Mais vous savez quoi, je vais le garder. Je vais le garder. Protection contre le feu. Lui, c'est même pas la peine. Contre les explosions, même pas la peine. Protection 3, par exemple, les choses, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Les choses, c'est bien. Et l'épée tranchant 3, non, ça, c'est pas bien. Bon, bref. J'aurais peut-être dû mettre des torches. Donc, c'est pas grave. Je pense que je vais le refaire celui-là. Contre les explosifs, c'est bien. Tout ce qui est creeper et tout, et j'en aurais peut-être besoin, on verra. Donc vous avez compris, de toute façon il faut que je revienne, j'ai pas pris de fer, j'ai rien pris avec moi, donc je suis juste venu déposer tout ça tranquillement. Et donc là on est ouais je suis en Inde là. Je suis en Inde. Je vous montre juste le portail rapidement. Et j'ai une idée pour cet épisode-là. En fait, oui, déjà, je disais au début qu'il va y avoir que 4 ou 5 épisodes. En fait, il y en aura un petit peu plus. Ah, il a bugué. Mon portail a bugué. Il a délinké. Ah non. Ah non, il n'a pas bien linké mon portail. Oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. J'ai un problème de link dans la map, au fait, les gars. Donc, je pensais que j'étais au bon truc, mais non. Alors que j'ai bien mis le portail où il faut et tout, donc j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. Bon, c'est pas grave. Ça se corrige rapidement. Il faut juste que je trouve les coordonnées du village qui doit pas être très loin parce que le link se fait en général pas trop loin qui est juste là en fait ouais c'est bon et là c'est donc vous avez vu quand même il y a quand même quelques blocs il y a quand même quelques blocs bof et là je suis en quoi non là je vais recevoir des dégâts pourquoi je vais recevoir des dégâts parce que hop ben non c'est pas du tout là en fait c'est pas du tout là.
Ouais. En fait, je suis pas loin, mais c'est pas le trou, c'est pas le bon. Non, non, non. Heureusement que ça, c'est le trou dans lequel je suis rentré. Ouais, non, c'est là. Ouais, voilà, je vais y arriver. C'est là. Hop là. Et là, je tombe directement dans l'eau. Donc, et mon portail, bah, c'est celui-là. Je sais pas quoi. J'ai mis Ali que j'ai pas fait spawn et j'ai mis ma dernière Ender Eye. C'est là où je vais mettre mon stuff. Donc, vous avez vu, tout est prêt, tout est OK. Alors que je sors dans le bon truc, je comprends pas. Je pige pas en fait, vraiment je pige pas. Donc tant pis. Allez. Donc et là vous avez vu, je sors là, donc mon portail est délinké encore. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Et depuis aujourd'hui j'en ai pas, mais je peux en faire une. Je suis riche. Voilà, donc je suis très riche. Non, je peux même pas. Mais je peux en faire une en stone, mais c'est pas le but. Si je vois, vous savez quoi? Comme je suis fainéant pour revenir, je vais faire une en stone. Je vais farmer un peu de fer. Et voilà. Donc, je vais farmer un peu de fer et c'est tout. Et vous verrez mon stuff complètement full P3, je sais. Donc, voilà. Donc, allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve à la base pour vous montrer un petit peu le stuff que j'ai eu. Donc j'ai eu deux épées. Malheureusement, celle-là, elle est bien. Solidité, aura de feu. Mais on ne peut pas la fusionner dans ce sens-là. Et de ce sens-là, ouais, ça me prend un tranchant 4, solidité 3, que je prends directement. Donc, elle est sympa. J'ai deux trucs à faire. Celui-là, touché de soi, je vais le perdre, tant pis. Vraiment, tant pis. Donc, et la 6, la 8. Donc, je prends aussi. Et ça, je vais le mettre avec les bottes. Donc, ça me fera. Oui, du coup, ça passe en P4, lui. C'est cool. Et celui-là, pareil, je vais le casser. Je ne sais pas si ça va fonctionner, par contre. Non, je pense pas que ça va fonctionner. Non, ça fonctionnera pas. Donc, il restera comme il est. Donc, il me faut 9 levels. Il me faut 3 levels. 3 levels que je peux avoir quelque part. Ok, c'est bon, je les ai. Je les ai, je les ai. Donc, on a dit les choose avec agilité aquatique. Non, c'est du 10 level. Pourquoi? Ah non, il faut agilité aquatique aussi. J'en ai besoin. 16 level, ok. Non. Donc, il me faut encore 11 level d'un côté et 16 level. Non, l'agilité aquatique, il me la faut. Il me la faut absolument, en fait. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ah non, il va manquer un level. Pas, vraiment, il va manquer un level. Un level de rien du tout. Ouais, il va manquer un level, on a dit. Un level. J'attends que ça finisse. Normalement, ça devrait aller parce que je suis presque, en fait. Ouais, j'ai mangé un petit coup, un petit coup. Un tout petit coup. Ouais, allez, 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 allez. En attendant, je peux faire autre chose. Parce que ça va vous donner une idée de ce que je vais faire. Je vais aller pêcher. Ok. Non, de toute façon, même la pêche, elle donne des levels. Qu'est-ce que je fais moi aussi? Donc, il va me falloir, pour histoire, vous avez compris ce que je veux faire. Hop, pardon. Ok, 11 levels. Hop, non, c'est pas ça. Pardon. Hop, et hop. 11 levels. Et après, combien ça va me coûter? 17 levels. Bon, je les ferai, donc voilà. Donc, lui, il sera parfait. Donc, 17 levels, je pêche un poisson, je prends mes 17 levels et je vous reprends. Bon, j'ai eu mon poisson que je voulais, c'est celui-là. Donc, vous avez compris. Je veux faire un truc d'alchimiste, en fait. Alchimiste, donc pas alchimiste. Vous avez compris. Bon, allez, on reprend les vidéos ici, parce que pour vous, c'est une action tout de suite, et pour moi, c'est le lendemain. Parce que hier, je commençais un peu fatigué, on va dire. J'ai vu l'heure qui était un peu tard et ma voix qui commençait un peu à réduire. Donc vous allez comprendre pourquoi on a fait tout l'épisode dernier. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc je suis sur un petit îlot, donc j'ai l'icône à droite, le mining fatigue. Donc vous avez compris, on va se faire un temple. Eh oui. Donc comme je vous ai expliqué, voilà, donc j'ai mis un stuff de remplacement. Je prends mon stuff, je prends ça, ça, un seau de lait. Qui est important, et ça aussi, on sait jamais. Donc, je me mets mon stuff, je prépare mon épée, je mets une pioche de secours au cas où, et l'épée de secours au cas où,
Oui, c'est bon, là, j'ai de la bouffe de secours, oui. Un seau de lait, ça devrait aller. Et on va aller faire ce moche, affreux, pas beau, et tout ça, quoi, vous avez compris. Bon, le sac de charbon, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et on va y aller directement. Alors, j'ai le choix. Donc, en tant que mob, normalement, je ne vais pas me faire aggro. Oui, mais ce serait bien de prendre juste, hop, juste ça avant. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, celle-là, hop, je vire. Donc, autant que mob, là, normalement, je suis en chauve-souris. Donc, je ne vais pas me faire aggro. Je vais pas me mettre en poulpe parce que les regardez, ils se font attaquer. En fait, ils aiment pas les poulpes. Les gardiens, ils aiment pas les poulpes. Donc, c'est des ennemis, en fait. Ils supportent pas du tout. Donc, ce que je vais faire, donc je reste autant que... Oh, ouais, ok. Non, il est là. Celui que je veux, il est là. Donc, mais le problème, j'ai un mining fatigue. Donc, je prends ça comme ça rapidement. Et il me recolle le mining fatigue aussitôt. Il me recolle le mining fatigue aussitôt. Donc le mining fatigue, c'est un peu bon, embêtant, enquiquinant. Ce que je vais faire, c'est que hop, je vais aller récupérer encore un autre seau d'eau. Et je le fais tout de suite en fait. Donc voilà, c'est mieux. Et j'ai intérêt à me morph juste après parce que la vie, vous savez que j'ai pas beaucoup de vie après. Ok, je reprends ça, ça, ça. Parce que quand on prend le seau d'eau, non, j'ai une autre technique en fait. Ah ouais, j'ai une autre technique. La technique, c'est commencer par en faire un. Comme ça, il va pas. Oui, ok, non, c'est bon. Non, celui-là, il est isolé. Ouais, je vais le faire. Je vais faire celui-là en fait. Je vais faire celui-là, ok. Morph, il est où? Il est là, ok. Ok, viens ici, toi. Ne va pas vers tes potes. À peine je l'ai même pas touché, je lui ai même pas enlevé un cœur. Genre, je lui ai même pas enlevé un cœur. Allez, viens ici. Allez, viens, je t'ai dit. J'arrive pas, j'ai un mal fou. Vraiment, j'ai un mal fou à l'atteindre. Il bouge trop en fait. Ouais, mais bon, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, viens ici. Ok, allez, il te reste 5h30. Allez, 3 dégâts et c'est bon. Mais ça arrive pas, c'est impossible. Ah, ne me dis pas qu'il a disparu. Oh, ah non, il est là. Mais je comprends pas ce qui se passe. Ouais, là, il manque juste un coup. Non, c'est bon. C'est lui qui est en train de me faire des dégâts, en fait. C'est bon, j'ai acquis le truc, ok. Et je me morph tout de suite. Je me morph tout de suite en lui, ok, morph. Déjà, je vais éviter plein de choses. Je vais éviter plein de choses, entre autres ça. Donc là, c'est bon, ok. Donc, j'ai... L'autre, ça y va être plus simple, au fait. Donc, j'ai plus mining fatigue pour l'instant. Je peux miner rapidement. Ok, on descend. Oui, tu veux bien me laisser rentrer, s'il te plaît? Ah oui, ça va être folklorique, là. Bon, ok. On va l'enlever différemment. Il me laisse pas passer, ben on va l'enlever différemment. Oui, c'est bon, je suis votre pote, les gars. Donc même lui, il va pas m'aggro parce que il va pas me foutre mining fatigue, ok. Et là, il faut le chaîne, il faut le chaîne, il faut le chaîne, il faut l'enchaîner. Donc le but c'est lui, au fait. Vraiment, le but c'est lui. Donc c'est bon, on l'a presque, ouais, c'est bon, ok. Et on a acquis le truc. Bah écoutez, c'est mission accomplie. Ouais, toi, tu peux faire ce que tu veux. Il y en a trois, je sais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, ça m'est égal un peu, complètement même. On va le voir, les deux autres, où est-ce qu'ils sont. Je sais qu'ils sont. Ils sont où? Ou je reviendrai plus tard, tranquillement. Par exemple, lui, il est là. Ok, on va le chaîner. Non, 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 j'ai touché un, c'est pas bon. C'est pas grave, de toute façon. De toute façon, j'ai plus de potions de soins sur moi. Ok.
Ah, les crèves. C'est bon, ok. Il en reste un. Qui est par là? Ça, je crois savoir où est-ce qu'il peut se trouver. Bon, en attendant le mining fatigue, c'est pas grave. On viendra récupérer les blocs d'or plus tard, parce que j'ai pas de seau de lait, non. Donc, et le dernier doit être par là. Normalement, si je me trompe pas, en fait, il est. Vous avez vu comment, à la vitesse à laquelle je nage? Oh là là, c'est. Ben, il est là, le dernier. Bon, en général, ils sont 3, 2 à 3. Donc, maximum 3, en fait. Donc. Et le tout, ouais, et en plus pour les avoir, les big guardians, en fait, il faut les chaînes, il faut pas les laisser, il faut pas les coller, en fait, c'est un peu comme les squelettes, comme les sorcières. Si on s'éloigne, là, ils font pas mal de dégâts, comme là, par exemple. Ok, c'est parfait, donc c'est bon, le mining fatigue, il part quand il part, je m'en fous un peu. D'ailleurs, je vais sortir pour prendre mon seau de lait. Où j'attends ici 3 minutes, je prends mes blocs. Bah pour moi, c'est une mission accomplie. Mais c'est vrai que je peux manger pour augmenter ma vie aussi, j'ai oublié. Parce que des fois, je me crois en ultra hard, en hard, on n'a pas le droit de. On peut pas monter sa vie. Donc c'est vrai que j'avais oublié ça. Donc c'est bon pour moi, voilà. Donc là, je suis 1-2, on va dire. Ils peuvent rien faire, je peux rien leur faire. Je ne veux rien leur faire surtout. Et donc là, bon. Je vais attendre juste le temps que ça passe le mining fatigue et je vous reprends. Bon, là, je suis sur la fin de mining fatigue. Ouais, il me reste 4, 3, 2 et 1. Et hop, et là, c'est fini. Donc, on va aller prendre les blocs d'or. Oui, bah écoutez, j'ai pas vraiment le besoin, on va dire, en plus. Donc, bah, bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis là, je les ai gagnés. C'est mérité, on va dire. Je les prends bien sûr. Ok, donc voilà l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez vu, donc il est parti un peu en minage, il est parti un peu dans tous les sens, mais bon, j'ai essayé plus ou moins de laisser un peu le suspense jusqu'à la fin. Donc je sais pas, je voulais pas moi, vous montrer ce que je faisais au début, du moins. Donc, mais bon, vous l'avez vu, ça valait le coup. On a 8 blocs d'or qui me serviront pas à grand chose, mais. Hop, il doit y avoir une sortie quelque part par là. Bon, sinon, on se fait une sortie. Ok, direct, c'est aussi vite que ça. Il y a des éponges quelque part, mais bon, on n'est pas là pour ça en fait. Donc, et vous remarquerez qu'il nage super vite. Donc, vraiment, ça valait le coup. Vraiment, ça valait le coup. Juste pour, par curiosité, est-ce qu'il balance le rayon? Non, il balance pas de rayon. Donc, je voulais juste savoir. Et ils ont aussi un truc, ils ont la vue nocturne aussi, apparemment. Bon, je l'ignorais, mais bon. Et on va, pour finir l'épisode, ce morph, j'espère juste qu'il va pas me planter, en chef guardian, en big guardian, pardon. Ok, donc lui, par contre, la barre de vie, elle va augmenter. Ouais, mais je pensais qu'il avait beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il va me cracher ou pas, par hasard? Non, non, je suis bien en. Ouais, morph. Ouais, il me semblait qu'il avait beaucoup plus que ça comme barre de vie. Il nage vite. S'il me plante, j'espère qu'il va pas me planter. Comme la sorcière. Allez, je vais regarder ma tête. Ok. Non, c'est bon, il m'a pas planté. Donc, vous avez vu, je suis un. Pas beau. Je suis vraiment moche. Mais je crois que je préfère celui-là, bien sûr. Donc, parmi les trucs, hop, et j'ai changé. Donc là, j'ai transformé devant vous. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Coucou, tu feras pas mal, toi. Ok. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez liker, que vous allez le faire partager, mettre quelques petits commentaires sympathiques. Donc, hop, ça déstabilise. Hop. Que vous allez mettre quelques commentaires sympathiques si vous voulez. S'il vous plaît, pardon. Et que je vais avoir le plaisir de vous avoir parmi mes abonnés, c'est toujours pas fait. Et je vous dis au prochain épisode. Tchou 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 tchou. Ciao.